Nagref. Manfred. Ah ben voilà. On est au Sénégal là, et on a une petite ambiance parce que le Sénégal joue aujourd'hui. Papa, allez. Yannimo. Sur notre plateau, belle ambiance, oui, belle ambiance, parce que tout à l'heure, en fait, l'après-midi, on pourra les voir sur le plateau avec le Cameroun qu'on embrasse bien fort. Le Cameroun n'a pas pu se déplacer ce matin, le Sénégal est avec nous et avec grand plaisir. Permettez-moi de vous présenter nos différents invités. On a Monsieur K. Ousseinou, j'espère que je prononce bien les papas, qui est entrepreneur, je crois que c'est papa à ma gauche. On a monsieur Diallo Oumar, agent de mairie, c'est vous. Madame Adjakadi Badiane, qui est commerçante, merci d'être avec nous. Et puis papa, je n'ai pas eu votre nom. C'est Tunkara Ibrahim. Papa Ibrahim, voilà, papa Tunkara Ibrahim, voilà, merci beaucoup. On découvre un tout petit peu votre peuple et surtout on parle du match qu'on aura tout à l'heure, n'est-ce pas ? Inch'Allah. Alors, si vous venez nous parler du Sénégal, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette communauté avec qui nous vivons depuis très très longtemps en Côte d'Ivoire ? Qui est le peuple sénégalais ? Merci. Salam alaikum. Malaikum salam. Que Dieu nous garde. Amin. Qui nous protège tous. Amin. Nous sommes peut-être qu'on peut dire des Ivoiriens d'origine sénégalaise. D'accord. Mais parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Si tout se passe bien en Côte d'Ivoire, s'il y a le bonheur en Côte d'Ivoire, nous on a. Si le malheur, on l'a. C'est vrai. Vous partagez tout avec nous. On partage tout avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. Donc, il y a des défaites qui sont bonnes. Il y a des malheurs qui sont bons, qui envoient du bonheur. Il y a des matchs, quand tu le perds, autant qu'il faut le perdre, c'est bien parce que ça te permet de mieux réquiller pour bien sauter. Merci. Pour se préparer l'avenir. Mais il ne faut pas gagner. Où tu arrives, tu ne dois pas perdre, tu perds. C'est ça. Parce que quand tu gagnes trop, tu as dit que tu es le meilleur que tout le monde. C'est ça. Tu auras trop de confiance en toi. Tu as confiance en toi. Où il ne faut pas gagner, il ne faut pas perdre, tu perds là-bas, c'est mauvais. Donc, cette but de défaite-là, c'est bon même, c'est bienvenu parce que ça nous permet de bien se préparer pour l'avenir. J'adore, parce que c'est ça l'Afrique en fait. Voilà. C'est une façon de donner les nouvelles. Ils sont venus dire à la Côte d'Ivoire, courage. Voilà. Armons-nous de courage pour continuer cette belle aventure dédiée à la fête du football. Maintenant, c'est un peuple qui est avec nous. Notre papa Ouvédé Boigny dit, découragement, ce n'est pas ivoirien. Ce n'est pas ivoirien. Donc, dis courage et prépare-nous pour l'avenir. Très bien. Bon, maintenant, je reviens à mes au peuple frères, sénégalais. Sénégalais.
fier de l'être. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, on prépare notre match pour ce soir contre le Cameroun. C'est cela. Et Inch'Allah, on va les gagner. Et on va les gagner. Inch'Allah, Sénégal, c'est toujours devant. Le Sénégal est toujours devant. Dites-nous, au Sénégal, on a à peu près combien d'ethnies? Aïe, 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 ça a environ, il y a le peuple, comme ce que je suis. Oui, comme vous. Le responsable du Yacouba Ouabé Guéré, c'est nous. Il y a le peuple, il y a les Serer, il y a les Diola, il y a les Malinké, il y a les Wolof. C'est-à-dire. Mais c'est Wolof qu'on parle vraiment. Oui, c'est notre langue nationale. C'est comme ici, bon, par exemple, qu'on peut dire aussi, on parle Diola pour qu'on puisse comprendre, français pour qu'on comprenne. Mais il y a d'autres ethniques. Mm-hmm. Mais parce que c'est tout ça, c'est l'entente pour qu'on puisse bien se communiquer. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Effectivement. Oui. Et quel est le rôle de la femme? Parce que vous êtes venue avec une charmante maman aujourd'hui. Oui. Le rôle de la femme chez vous, est-ce qu'elle a droit à la parole vu que vous, chez vous, c'est la polygamie, je pense? Oui, on a droit à quatre. Polygamie, on a droit à quatre femmes. Donc, alhamdoulilah, mais on n'a pas droit à cinq. D'accord. Un musulman ne prend pas cinq femmes. C'est d'accord. Interdit. D'accord. Mais c'est là, c'est notre femme, notre maman, notre sœur, notre tout. C'est ça. Donc, elle prend tout pour nous ici. Quand vous dites prendre tout pour vous, c'est-à-dire? Vous lui confiez tout, vous faites confiance à la femme. Oui, oui, parce qu'il y a la femme. Mais nous tous, on a une femme à la maison, notre sœur, notre fille, notre maman. Donc, tu ne peux pas partir, tu ne peux rien faire sans maman, sans femme. Le vieux. Oui, maman. Avant, on va parler des cannes. Oui. Comment on fait quatre femmes? C'est laborieux. Hein. Oui, mais c'est assez. Donc, le vieux, tu divises ton cœur en quatre. Oui. Fais ça comment? Moi, j'en ai déjà, donc, alhamdulillah, Rabbi Alamin, il y a une entente. Ça, il y a des mondes là. Comment, il n'y a pas par là, prendre non, non, ça ne dépend du comportement du moussé. Ça ne dépend du comportement du moussé. Si le moussé se comporte normal vis-à-vis de ses femmes, tout se passe bien. Mais si tu veux prendre une partie plus risquée, aujourd'hui, c'est là, demain, c'est là, tu prends l'autre. Ah, même si tes enfants, s'il le fait comme ça, il y a tout par là. Mais il faut le mettre tous même point d'égalité. Et pas à dire, le monde, que tout le monde met tout le point d'égalité. On est tous même point d'égalité. Mais pourquoi une femme là, ça ne suffit pas? Et c'est pour ne pas aller chercher les forces Noël, c'est-à-dire les... Le vieux fort. Il dit que c'est pour ne pas aller chercher les forces nouvelles. Ouais. Les forces Noël, les petites femmes qui... Ne pas pécher. Ouais. Donc, maman qui a dit même rire. Le vieux Dieu fort. Donc quand tu as quatre, là, tu ne regardes plus forces nouvelles. Non, non. Parce que tu as, si tu peux avoir une claire, une noire, une mince, une grosse... Oui, là, il y a tous les numéros. Donc tu cherches tous les numéros. Voilà, là. Noir, clair, grosse, mince, voilà. Tout est représenté. Voilà, voilà. Donc, alhamdulillah, Rabbi Alam. Donc, tu ne peux pas être tenté encore. C'est tout, parce que tout est chez toi. Tout, oui. J'adore le peuple sénégalais. Alors, maman, dites-nous, ce n'est pas difficile pour la femme de pouvoir s'exprimer justement dans ce cas de figure, vu qu'on peut partager le même époux à quatre. Est-ce que c'est difficile pour la femme, par exemple? Parce que quand on dit la nuit porte conseil, par exemple, c'est à laquelle des femmes on demande conseil, là? Assalamu alaikum. Malaikum salam. Waouh. Maman, tu avais un micro, non? Pardon, voilà, maman, il faut prendre le micro. Assalamu alaikum. Malaikum salam. Ça va. Je te salue en sénégalais. Mais je vous salue et puis je vous remercie de nous avoir invités. On est très fiers de venir sur ce plateau. Merci. Je salue aussi mes frères qui sont avec moi sur le plateau. Je salue aussi mes enfants qui sont derrière. Ils ont bien animé. Merci. Donc, on encourage d'abord la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas démérité. Merci. Le prochain match, Inch'Allah, ils vont gagner. Merci. Donc, nous aussi, on prie qu'aujourd'hui, on va gagner le match. Très bien. Bon, mais tu sais, nous, Sénégalaises, on est nés trouver la polygame. C'est ça. Donc, on vous a éduqué en fonction de la polygamie. Donc, on accepte. Tu veux pas, on accepte. Parce que les hommes, s'il ne prend pas quatre femmes, trois femmes, deux femmes, bon, ils sont hors d'or. Donc, pour se marier femme, envoyer à la maison, c'est mieux. Donc, quand il y a la paix à la maison, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est habitué. On est habitué à ça. Mais Adja, on dit que vous, les Sénégalaises, là, vous avez les vrais secrets pour garder garçon, les bagarres,
les parfums. Mais ça, là, vous-même, nos soeurs ivoiriens, nos filles ivoiriennes, maintenant, vous-même, vous connaissez ça. Non, c'est vous, on vous a montré. Un peu, pas comment on vous a montré le kiep, c'est comme ça, on vous a montré le secret. Les secrets de femmes. Mais c'est vrai que vous avez des jeunes filles bien éduquées, soumises. Mm-hmm. En tout cas, comme on dit, hein, quand tu as une femme sénégalaise, tu as le bonheur. Mm-hmm. Elles maîtrisent la cuisine, elles sont douces, elles ne sont pas palabreuses. Ce n'est pas évident. Hein. Oui, mais nous, aux Sénégalaises, on nous apprend très tôt le travail. C'est ça. Tu rentres dans la cuisine avec ta maman, elle t'en va au marché. Mm-hmm. Même en allant à l'école, hein, tu fais à l'école, tu viens travailler à la maison. À la maison. Donc, tu grandis avec ça. C'est ça. Donc, de vraies battantes. Voilà. On éduque nos enfants à base de tout petit. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, déjà, tout petite, là, on commence. Alors, on est nombreux sur le plateau. Ce que je vais faire, je vais demander à mon équipe de commencer à installer déjà. Il paraît qu'il y a de bons plats aujourd'hui. On a, par exemple, permettez-moi le truc, c'est lard. Voilà. Voilà. Oui. Maman, on a du lard qu'on commence à connaître parce qu'on ne connaissait pas vraiment. Oui. Nous, c'était le tchèp là, on connaissait. Oui. Maintenant, on va nous proposer du lard. S'il vous plaît, les amis, installez mon lard le temps que je continue. Donc, la femme sénégalaise, c'est la femme soumise, c'est la femme douce, mais surtout travailleuse. Travailleuse. Voilà. Merci beaucoup, maman. Papa, on a parlé un peu. Il a son micro. On a parlé un peu du peuple. Je ne peux pas m'attarder sur la vie du peuple, vu qu'on a un rendez-vous très, très important cet après-midi contre le Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux joueurs qui vont vous représenter sur le terrain et aussi aux supporters? Bonjour à tous. Je vais déjà demander aux joueurs de penser au peuple sénégalais. Ah! À ceux qui ont laissé au pays. C'est vrai. Leur donner un peu de bonheur. Merci. Quand même beaucoup de joie. C'est ça. Pour le bonheur, comme nous l'avons fait l'année dernière. Parce que c'est un peuple qui a été très sévré. Le Sénégal, c'est en 2022-2023 qu'ils ont eu ils ont eu 5 trophées majeurs. Donc c'est maintenant que le football sénégalais est reconnu sur le plan continental. C'est cela. Donc je vais demander aux joueurs de se battre, de se qualifier dès aujourd'hui. Ah, faut pas on va arriver à les calculatrices. Pas avec parce que la Côte d'Ivoire, on avait nos calculatrices en ce moment. Avec les calculatrices, ça donne la migraine. Voilà, donc qu'à éviter voilà, ça. Voilà, une victoire aujourd'hui et c'est fini. Très bien. Dame règle. Très bien. Alors, la victoire pour le Sénégal, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, parce qu'on espère vous retrouver en finale. Inch'Allah. Les Nigériens disent qu'on va les retrouver. C'est que sur nous, on espère retrouver tout le monde en finale. Mais la Côte d'Ivoire aura sa place. Qui viendra à côté, on ne sait pas. Alors, il serait quand même aussi intéressant de nous dire quel est le joueur qui vous effraie au niveau du Cameroun. Parce qu'ils sont bons aussi. Hein. Oui. Peut-être Charles Toko Ekambi. Aïe, voilà. Pourquoi vous faites peur? Non, il est virevoltant quand même. Très bien. Voilà. Très bien. Sinon, tout le reste, je pense qu'on peut les maîtriser. Voilà. Donc, les prières seront orientées vers lui. Vers lui, tout à fait. On a passé le message. Alors, papa. Donkara. C'est avec vous, papa, que je parle encore. Quel est le joueur ou bien les joueurs sur lesquels le Sénégal compte vraiment pour un beau spectacle aujourd'hui? Et on compte, qu'on peut dire, sur tout le monde. Sur tout le monde. Sur tout le monde. Okay. Plus particulièrement, Sadio Mané est là, Lamine, tout le monde est là. Mm. Parce que quand tu cites une seule personne comme ça, c'est comme si tu minimises les autres. C'est vrai. On compte. Chacun a son talent. Parce que l'effort là, c'est pas. Si l'effort individuel, d'accord, mais c'est collectif. C'est ça. Donc on suit ensemble, on suit collectif. Donc on compte sur tout le monde. Pour qu'il y ait une entente, pour qu'il y ait une coalition normale propre pour que ça puisse gagner. Mais si on compte sur une seule personne, celle-là ne peut pas faire gagner un match. Il ne peut pas gagner un match. La collectivité, on suit ensemble pour qu'il gagne. Pour, comme je viens de dire, honorer notre peuple sénégalais et peuple ivoirien. Parce qu'il y a aussi, comme on supporte les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens aussi, les 400 pères aussi supportent le Sénégal. Mm-hmm. Parce que nous sommes en famille. Il dit qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne sépare pas. Mais comme, on est comme du café au lait, tout est dedans. Du café au lait, donc, j'aime bien cette voilà. image. Donc là, on est mélangé, on supporte à 100% la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire supporte 100% le Sénégal. Donc, souhaitons que tout se passe en fair play. Tout est en fair play avec le Sénégal. Que le meilleur gagne, souhaitons que le meilleur. Parce que notre frère, notre père, grand frère, notre président de la République, Alassane Ouattara, disait un jour que je souhaiterais que la finale sera entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Effectivement, il a dit. Il a dit. Et j'espère bien que ça sera, parce que cette défaite-là est bienvenue. Ça reprend tout le monde. Et puis, comme on dit, il faut bien sauter pour mieux, il faut bien reculer pour mieux sauter. Donc, c'est une bonne leçon. Donc, moi, je les encourage. Et de ne pas se décourager d'aller de l'avant. Mais ce soir, c'est le Sénégal. Et le Sénégal va gagner. Et après, on reviendra ici fêter cette victoire. Super. Inch'Allah. Merci beaucoup. Papa Tungara, ouais. Quelle est l'ambiance? Comment on va motiver nos joueurs? Qu'est-ce qu'on fait? Dans les différents quartiers, est-ce qu'on s'est organisé pour pouvoir les supporter? Quelle est l'ambiance qu'on va réserver aux joueurs? Avant tout, je vous remercie de l'invitation que vous avez faite pour nous, pour les Sénégalais. Les Sénégalais sont regroupés par fan zones. Ah. Il n'y a pas de problème. Partout dans les fan zones, vous êtes là. Il y a des fan zones. Merci. Au niveau des quartiers. C'est ça. Chaque quartier à Trècheville, Comassi, Marcory, tout ça, il y a des fan zones. D'accord. Même à Bouaké, à Yamoussoukro. Tous les Sénégalais sont mobilisés. Très bien. Avec les fan zones. Nous voulons partir, nous tous, au stade, mais... Tout le monde ne peut pas aller. Où. C'est ça. Il n'y a pas le billet. Mais on s'organise au niveau des quartiers, avec les fan zones. Très bien. Les fan zones. Donc, ambiance, musique, danse, musique, ouais. Vraiment. Ouais. Ils vont sentir sur le terrain que vous êtes derrière eux. Nous sommes derrière eux. Super. Bon, papa Kaoussine, tout à l'heure, il va falloir m'apprêter un proverbe en sénégalais. Oui, en wolof, et puis vous allez traduire ça en français. Et en pôle aussi, oui. Comme vous voulez. Vous êtes à l'honneur. Salam alaikum. Onan bandera be hal pularen miran salmin onan fomu kala inde mako yeto de mako mir ala jaramo jaramo ala suren ala suren ala suren. Tinno den enen fo tan gonden jahen tere mbo ya tere no kadi ne wora galle mako e do jama salam. Pejen fer ha kay ka dara wasde arde ko ngalan hine yak inde men hen yak inde Senegal. Gonden gonen neddo goto pidden mabbe jaldena mabbe pour te ndehi terrain gonen en fo jama salam le vieux excuse-moi c'est que tu as parlé là c'est peul ou c'est peul d'abord oui ça c'est peul oui maintenant en wolof là ça donne quoi bon en fo gonden neddo goto bon mané salam alaykoum lima ngi len wax rek pour ñu ñeb ben lañu nañu fexé be xamné né dara du am lo xam lu sik lo xam lu bu siké bu mu joggé sénégalais nañu féké honorer sénégal comme ñu ko doon honorer foré bu ñu gagné nañu foré bu ñu ñaké nañu foré xamné né quel livre espoir am baxna ñaka baxna mais yalla bu ñu ñak du ñu ñak kon nañu féké rek du dara am lu sik bo xam ñu nan ci sénégalais la joggé vous les Sénégalais, nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes des Ivoiriens. Ce que je demande seulement, soyons toujours sages et de ne pas certes avoir des histoires avec qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, qu'il y a la victoire ou il y a la défaite, on est toujours des citoyens, on sera humbles. Et soyons qu'il n'y aura pas d'histoire. C'est ça. Même s'il y en a, que, bon, disons que ça ne vient pas du Sénégalais, ça vient d'autres personnes. C'est ça. Sénégalais, on ne connaît pas par des histoires, on ne connaît par la paix. Ici-là, c'est pays de la paix. Donc, quand on est ici-là, ça nous a contaminé tout le monde. C'est ça. Donc, soyons toujours social avec tout le monde. Très bien. Aider tout le monde. Et s'amuser avec tout le monde. C'est ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des sportifs. L'espoir, il y a tout dedans. Super. Donc, si vous souhaitez du courage, et tout est bon, hein, tout mais est souhaitons bon. La victoire au Sénégal ce soir. Et l'endemain de demain, on revient ici. Vive le Sénégal et très bien. La Côte d'Ivoire. Yeah.